laver ma gloire vivant, nourrir ma parole vivant, pour me servir mon Dieu vivant, tout autant moins que monde dans le nom de Jésus. Amen. Nous en action de grâce au Seigneur pour le privilège que lui accorde nous. Côté nous t'es dormi et lui permettre nous lever matin pour nous capables d'adorer lui en esprit en vérité et étant des paroles lui. Et nous demandons de disposer nous en nous que quand nous nommons l'esprit nous faisons seul pour nous capables d'adorer bon Dieu et disposer pour nous entendre des paroles lui. Encore que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Amen. J'ai une lecture parole, bon Dieu, c'est dans Jean, chapitre 8. On a lu dans verset 30, arrivé dans verset 36. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux disciples qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc, le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Parole du Seigneur. Encore une fois, Amen. Seigneur, nous disons merci pour grâce. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour vous laisser quoi accorder nous. Pour être capable de présence, cher Seigneur. Mais nous reconnaissons, Seigneur Dieu, parole pour le parler. Seigneur, moi, je vous permets que je vais seulement en tuyau. À travers moi-même, cher Seigneur Dieu, on va envoyer parole qui pour aider nous. Parole, cher Seigneur Dieu, qui pour permettre que nous conformes, cher Seigneur, la route qu'on trace pour nous suivre, cher Seigneur. Avec nous, cher Seigneur Dieu, que cet esprit capable manifeste parmi nous-mêmes, cher Seigneur Dieu. Nous comptons sur nous, va prier parce que nous avons une bonne guérison. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ, à qui revienne la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Quoi, nous entendons très bien. Amen. 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 Très bien. Nous entendons très bien, Pasteur Evan. Ok. Ok. Alors, depuis pour moi, d'être là, nous tapons, disons, béni dans Texas, qui c'est Jean 8, verset 36, qui c'est texte de base. Il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Maintenant, on a pris, avec l'aide de Saint-Esprit, les deux caractéristiques essentielles de chrétiens libérés. Les deux caractéristiques essentielles d'un chrétien libéré. Verset 36, qui c'est le texte de base là, il y a une précision qui fait la donne. Qui ça le dit? Il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ici, frère Samuel, apôtre Jean, lui veut parler de qui est-ce? De Mounsa, que l'elle te quitte
disons, baptisé par Jean. Côté dans Matthieu 3, verset 17. Il y a une voix qui était dans le ciel là et qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et déclaration ça encore. Dans Matthieu 17, verset 5, il y a un ajout qui fait la donne. Qui ça le dit? Comme il parlait encore une nuit, les salités sous montagne là, phénomène de transfiguration. Et une nuit lumineuse découvrit, et on voit qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Alors ici, nous, bon Dieu dit parler comme ça. C'est pour te faire nous comprendre et pour te faire monde qui te gagne chance avec Jésus, étant de Jésus, pour te connaître Jésus-Christ, toute sale dit, l'y approuvé par le Père. Bon Dieu te aussi voulait faire comprendre que Jésus, amen, l'y te gagne autorité. Il n'a pas fait rien de lui-même. C'est-à-dire que il voulait que mon capitaine de Jésus-Christ te prend à cœur toute sa lamenti. Précision ça, l'importance capitale, frère Semio. Il dit, si le fils vous a franchi, vous êtes tellement libre. Oh, c'est parce que gèmement pilote qui vient comme libérateur. Mais ils sont des prétendus libérateurs que vous voyez. Ils n'ont pas abouti dans des marches. Ils n'ont pas arrivé vraiment à accomplir ça y est dans l'esprit. Et nous, Jésus-Christ, lui répond par obéissance à papa. Parce que dans la situation que nous t'ayons, après le péché d'Adam, nous devons dans la situation côté nous t'y emprisonner, côté nous pas de gain issu. Mais Jésus dans des voies allées, qui t'a demandé pour le venir, parce que le ticket t'a connu. Nous ne sommes pas capables de supporter à chaque arrivée. Parce qu'à chaque type de péché, il y a un type de sacrifice. Mais Dieu n'a omniscience, il te connaît. Le sang de Jésus, il est efficace. Le sang de Jésus, il n'est pas couvri péché, mais il efface péché. Amen, frère Samuel. Amen. Liberté que vous prétendez bailler là, n'est pas tripartite. C'est-à-dire que n'est pas concerné, n'est pas envisagé le corps, l'âme et l'esprit. Vous êtes capable de libérer corporellement, mais si l'âme avec l'esprit, vous n'êtes pas libéré ou encore captif. Là, nous regardons dans Luc 13, verset 10 à 17. Passage-là, il parle de femmes qui étaient courbées. Parce que Satan était kembeli. Satan était marré. Mais nous, avec Jésus-Christ, après 18 ans, frère Samuel, d'amenant, les courbées physiquement. Donc ici, Jésus t'est délivré spirituellement. Parce que Jean t'a, c'est-à-dire que c'était marré, il était marré dans l'esprit. L'homme n'est pas libéré. Donc, la guérison spirituelle qui s'est fait, lui entraîner la délivrance physique. C'est-à-dire que si
ou pas Amen. En joie. Si ou pas en joie, la bien répercussion sur physiquement. Donc nous il faut comprendre que frère Samuel, les prétendus libérateurs, ils éphémères, ils passagers, ils n'ont pas arrivé abouti. Mais Jésus, le vrai libérateur, vit éternellement. Amen. Jésus, le vrai libérateur, vit éternellement. Frère Samuel, de traquer ce qui est essentiel de chrétiens libérés, là on dit essentiel, là il y en a d'autres. Le matin n'a pas les deux. Première caractéristique là, c'est connaître la vérité. Première caractéristique d'un chrétien libéré, c'est connaître la vérité. Et deuxième caractéristique d'un chrétien libéré, c'est pratiquer l'amour. La vérité que je fais, c'est de connaître que Jésus était là avant Abraham. Vous savez, Jésus qui déclarait quelque part dans la Bible, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Le fait que vous ne pouvez pas voulez croire que Jésus-Christ, c'est mon ça que bon Dieu t'est voué pour délivrance, pour liberté, eh bien, vous avez vivre. Yo t'a vive et yo continue à vivre dans l'esclavage. Quand Jésus a l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur lui. Quand il est roi, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il est envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Ésaïe 61, verset 1er. Jean 8, verset 31 et 32. Il déclarait, il dit, pour être libre, il faut demeurer dans la parole de Jésus. Pour être libre, il faut libérer dans la parole de Jésus. Et par là, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Demeurer en Christ, demeurer dans la parole de Dieu, signifie d'une part confesser et abandonner tout péché connu. Demeurer en Christ, c'est-à-dire demeurer dans la parole de Christ, signifie d'une part confesser et abandonner tout péché connu. Avoir des intérêts qu'il puisse partager, vivre une vie qu'il puisse approuver, que Jésus a approuvé. Et deuxièmement, demeurer en Christ, demeurer dans la parole de Christ, c'est décharger celui de tout fardeau. 1 Pierre 5, verset 7, il dit décharger celui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et puiser dans Christ force et sagesse. Présence li. Mais essentiel, ça le connaît, frère Samuel, que nous pas devons tolérer rien qui est capable de séparer nous de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un Jean. Premier 3 à 7 et 1 Corinthiens 10, verset 10 à 16. Nous disons que la première caractéristique là, c'est connaître la vérité. Nous rendons gloire au Seigneur de ce que Jésus-Christ, il était venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il était venu chez les siens et les siens ne l'ont pas. Il en vient ces 12 agents premiers, les tenir face, lui, vers les autres nations. Il va le dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom.
elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous disons, Dieu, merci de ce que Saint-Esprit a été frappé pour ton cœur, non. Et depuis, il faut nous reconnaître que Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est le libérateur. Deuxième caractéristique de chrétien libéré, c'est pratiquer l'amour. Pratiquer l'amour. 1 Jean 4, verset 8, il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Moun qui pas remet, il n'a pas connu bon Dieu, parce que bon Dieu, c'est remet. Qui ça remet? Qui ça l'amour? Là, nous pensons à l'amour, nous, qui ça lié, il est facile pour nous penser avec des sentiments agréables. Mais vrai mais les pas dépendent de sentiments. Amen. 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 Que les sentiments que j'éprouve pour quelqu'un, soit l'amour romantique pour un membre de famille, un ami, un collègue, l'amour qu'on donne et qu'on reçoit se base souvent sur ce que j'en tire moi-même. Donc, en plus, fois, remet ça, yo, mandé ça, il est réciprocité. Mais, nous veut dire que, parole bon Dieu dit, il n'est pas vrai l'amour. Il est chita ce sentiment. Et qui ça a fait pour me remet? Écoutez, Michel. Écoutez, Jésus qui chère. Remet, Lia. Qu'est-ce que la Bible dit pour nous? Comment la Bible dit pour nous aimer, frère, M. Dieu? Mais nous avons dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8, il dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne semble point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance aboli. Les moins capables, c'est tout bagage. Malgré sentiment, moi, sans tenir compte des actes de quelqu'un, c'est ça, il est la mère. L'aime pas sentir la mère. C'est-à-dire que moi pas tenté à la colère, à l'impatience. L'aime pas chercher, c'est-à-dire que propre intérêt. Mais l'aime repousser sentiment ça yo. Et m'a réjoui. Mais ça, moi pas. Et m'humilier tête moi. L'aime supporter l'autre là et m'accepter tout. C'est ça où il est vrai. L'amour qui ça le fait, lui baille la vie. Li. L'amour ça le fait, lui renoncer à réaction naturelle yo, et exigence qui fait partie de nature humaine. Nan. Il ne partent rien à retour. Nous parlons plus grand aimé, frère Samuel, qu'il est au bail la vie aux pauvres amis. Jean 15, verset 13. Il aimait les consister non en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce
Dieu nous a aimés et a envoyé un être, je sais dire. C'est très bien. L'on remet, il y a un monde qui remet. C'est facile. Mais, ça n'a pas en preuve d'amour. Laissez le monde qui remet. Et on remet tout. Nous voyons que bon Dieu lui te remène avant que nous te remène. Et nous ne faisons rien pour nous te mériter l'amour bon Dieu. Mais qui est-ce qui est capable de briser, frère, monsieur, mais aussi au monde qui a manqué de respect? Quand tu remets ça, dans mon moment, ça. L'amour, lui, bah, pas seulement. À monde qui est bon envers nous. L'amour qui s'allie, lui remet ennemis. Et nous, Jésus-Christ à la croix, quand elle a dit, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc, l'amour les supportait tout. L'amour n'est pas bien seulement à moun qui bon envers nous. Mais moi-même, me dis nous, Jésus-Christ, remets ennemis nous. Bénis moun qui mourit nous. Fais bien à moun qui raille nous. Et priez pour moun qui maltraite nous, pour moun qui persécute nous. Pour que nous capables, petite, papa, qui est en haut dans le ciel là. Matthieu 5, du verset 44-45. Remets bon Dieu, qui s'allie, frère, mieux. Il dit, si on me dit, moi, remets Dieu. Amen. Si on me dit, moi, remets bon Dieu. Amen. Et il ira, frère. Le monde ça dit sur menteur. Parce que comment on est capable de dire ou remet bon Dieu que ou pas remet. C'est-à-dire que ou pas remet frère ouais. La Bible dit monde ça dit sur menteur. Et nous avons un commandement ça ma parole bon Dieu qui dit monde qui remet bon Dieu lui remet frère. Remets-nous pour bon Dieu, il n'est pas plus grand que remets-nous pour prochain. Nous devons comprendre matin, frère Samuel, remets bon Dieu, il n'est pas changé en fonction des situations. Remets bon Dieu, il demeure inchangé. Car si bon Dieu va te remettre, nous, qui ça? Comment situation nous empêche? Remets bon Dieu, il ferme. Et lui enraciné et fondé. Donc, deux caractéristiques pour un chrétien qui est libéré, premièrement, c'est connaître la vérité. Et la vérité vous affraîchira. Deuxièmement, c'est pratiquer l'amour. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous remercions Jésus-Christ pour sacrifice, grand sacrifice, ça a été consenti pour te libérer, nous. Liberté, Jésus-Christ, bon, nous. L'écouter, les chers, frère, nous sommes mieux. Parce que pour te libérer, nous, les te bailler, la ville, sans les te couler. Il était humilié, lui. Il était quitté tout le monde quand il a pu recevoir gloire. Pour être capable de nous la vie. On nous jouit de liberté que Christ bat nous. Jouissons de cette liberté pour laquelle Christ nous a appelés. On nous prie, Seigneur, pour que nous ne pas faire liberté, ça, un prétexte.
pour nous vivre dans le péché. Et pas oublier, Jésus-Christ est dépouillé. Il était pour un péché, nous. Il était sous dos. Il a fait le bras dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En oublié, frère Samuel, pas gain degré dans le péché. Amen. Pas gain degré. Amen. Amen. Quelque dimension péché a, les pas gain l'autre objectif que couper relation avec mon Dieu. Yon le, en Asie, te gen un gros vent qui passait. Et il est raché depuis ses pieds bois qui gagne. Mais, quand on te dit en Haïti, un gros pied ma peau, il était ferme. Je saisis. Tout pied bois raché était ferme. Et un beau jour, pendant qu'il fait bon, pas de vent. Et puis, il était en ça veut dire que pied bois tombé. Les avaient investigué, qui ça y ouais, c'est qu'on ban Tibet qui tape manger pied bois en bas. Ça dit les vents est passé à pas de courir à terme. Ça veut dire qui ça frère Jamio, quel que soit péché que lié. D'après une qui moins, tant qu'on a parlé avec sœur Marjorie, par exemple, et puis moi j'ai dit, il y a un bagage qu'on pas doit dire. Mais moi là pas même tenir compte que me dit lui. Et sœur Marjorie lui-même, il n'est pas gagné assez de cran et de force pour lui dire, frère, n'a pas parlé avec mes sœurs dit. Eh bien, chaque fois lui-même. Les gens qui sont serrés. Et vous pensez qu'il y a une unité? Le fait que le péché n'a pas confessé l'a engendré l'autre. Le péché, c'est un mao kamoun qui consacre les agricultures. Donc, on va tuer les maoka, les chitans en plante là. Les manger. Lorsqu'on est obligé d'une plante, un fruit qui est normal, et puis son fruit. Et en dan déjà fin manger. Donc, frère Samuel, puisque en rien dans le monde ça, pas qu'à égaler à présence, bon Dieu, à nous faire effort pour nous des pécheurs repentants, pour ne pas quitter péché, pour en place maintenant. Parce que il dit, parole, bon Dieu dit, monde qui livre à péché, il dit, c'est esclave péché. On ne peut pas quitter un rien, retirer la liberté que Christ bat nous. On nous croit. Satan a venu toujours avec des éléments de doute. Mais nous besoin de mettre la foi nous en Christ. Nous besoin d'appuyer nos souliers. Songez, frère Samuel. Nous pas esclaves encore. Nous libres, parce que Christ l'a franchi nous. À nous jouir de liberté Christ là. À nous marcher dans lui. Quoi? Parce que tout ça que nous devons jouir dans bon Dieu, l'est venu de la foi. Quoi? Que Christ, verset seul, pour la franchir, non. Et recevoir la liberté, Christ Benoît. Et marcher là-dedans. Comme ça, n'a victorieux. N'a marché de victoire en victoire. On nous dit, béni soit l'Éternel, parce que Christ nous a libérés. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. C'est mon Dieu qui n'est pas. Permettre que nous marchions dans la main. Et nous pas aimer l'autre, là, parce qu'il aimait nous.
mais nous remet parce que Christ remet nous avant. Que mon Dieu bénisse nous. Que mon Dieu fortifie nous. Que mon Dieu permette que nous mourions dans l'île jusqu'à ce que Christ retourne. Amen. Amen.